Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Iker et on est parti dans un nouvel épisode de For the King. Et on est quand même fort dans la merde car je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir, quel combat nous devons faire, etc. etc. On n'a plus beaucoup d'argent, hein, 49 de thunes, on n'est que level 5, le campement ici est niveau 6, il est trop difficile à faire, on va se faire péter le cul, il n'y a que des monstres level 5 autour de nous. Le fléau a été répandu, c'est le bourreau qui est présent sur la map, il faudra s'en occuper, mais il est level 6, donc très difficile à gérer. On a ce campement-là qui permet de retirer un KO, d'ailleurs on a déjà un KO de disponible. Et ici, on a la crypte de la liche et ce campement-là qui permettent de retirer du KO, je crois. Donc pas mal de potentiel à retirer le KO. Le problème, c'est qu'on se fait péter le cul quasiment à chaque combat, donc c'est vraiment pas facile. Il faudrait qu'on ait la possibilité d'obtenir le heal de zone, qui est dans oh merde, j'ai passé le tour. Le heal de zone qui est dans oh non, quel idiot, j'ai perdu un tour. On va rien pouvoir faire. Ce qu'il faudrait, c'est isoler le monstre ou alors aller chercher celui-là qui finalement qui a l'air d'être assez isolé lui par contre. Donc c'est pas mal. Le rock niveau 5 ici, il serait tout seul. Donc ça serait pas mal. Il y a un point d'interrogation. On peut y aller. C'est de l'intelligence, plus 24 d'XP. Bah, on serait content hein, d'obtenir un petit peu de chance. Voilà, plus 24 d'XP pour Brenou. C'est pas mal. On passe le tour. On va essayer d'attaquer ce rock qui semble isolé pour le moment. En espérant qu'il le reste. Avec Reiki qui s'y approche. Belle journée, Reiki va pouvoir se déplacer encore. Paf, il y a la sentinelle de Kazeli. Ici, il y a une nouvelle, peut-être une nouvelle quête secondaire. Est-ce qu'il faut pas marcher là-dessus? Terre traversée, certains infligent un dégât aléatoire. Oui, bah, on va éviter alors. Hein. Et on va aller là du côté de Iker. On passe le tour. Et là, faut juste espérer que Iker soit dans la zone et qu'il n'y ait pas de mob qui pop. On est content. Allez le rock, est-ce que Iker est avec nous? On est tous les trois. Ah si, il y a un squelette qui est pop avec. Ok, bon, on va combattre. Hein. Allez, Iker, on y croit. C'est maintenant. Ça va être l'épisode, peut-être la fin de la game. Qui sait? Où est-ce qu'on va réussir à survivre? La pression est à son comble. Le public est en délire. On n'aura pas le temps de tuer ni l'un ni l'autre. Mais lui, on va le taper. Allez. Oh, pas mal. Un petit moins 21 crit, ça fait toujours plaisir. Il va attaquer. Moins 14, moins malédiction, malchanceux. On perd en chance. Ok. En alto, ici, Brenel. Il va attaquer lui. Mais le problème, c'est que... Ah, si je fais un parfait, j'ignore la résistance. Donc moins 21, parfait, là c'est parfait. Il rattaquera pas deux fois le squelette. Le rock il fait combien de dégâts? Esquivé, moins 24, interrompu. Brenel est quasiment mort. Brenel ne pourra pas se soigner. Il faut absolument que je le tue. Ça passe, je le tue. Oh, non, le rock attaque quand même. Pas de zone s'il vous plaît. Esquive dans ton cul putain! Allez, faut taper celui-là. 97 PV. Ça va être très long. Ça va, Brenel a la possibilité. On va taper avec Reiki. Pouf, moins 17. Brenel, bien évidemment, il se soigne avec la barbe dieu. Et derrière, il attaque. Oh putain, il a esquivé. Tape Reiki, voilà. Reiki, c'est... Ah non, pas un sort de zone. Moins 24 esquive. Oh là là, interrompu. Allez, crève. Saloperie. Crève. Oh, on le tuera pas. Hein. Il rattaque. Attaque Reiki, voilà. Moins que 16, ça va. Reiki, il encaisse. Elle encaisse, ouais. Moins 7. Allez, c'est fini. Faut qu'on passe un level, là. Donnez-nous 1 milliard d'XP, s'il vous plaît. Plus 21. C'est pas mal. 20 thunes.
20 thunes? Mais c'est nul à chier! Ah, pardon. Ça va et vous? Récupérer. Allons dans la ville. Quête annexe. Réduction du chaos. Accepté. C'est un camp level combien? 7 maintenant et on nous sortira un camp level combien? 1 milliard? Tuer le sbire du chaos dans les plaines dorées. Oh, le chaos qui va bientôt prendre encore un niveau de plus. Barre de campement maléfique. Tuer le sbire du chaos. Tuer le sbire du chaos. Qu'est-ce qu'on fait? Service. Auberge, c'est 20 thunes. On peut soigner tout le monde une fois. Après, Iker est pas loin de passer un level, donc on va pas le soigner lui. Au niveau du marché, est-ce qu'on peut pas acheter un objet qui permet de faire un soutien à distance? Non. Soutien à distance, crochet, bandana, résistance. Aïe, 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 on n'a pas de... On a des barbe-dieu à 40. Il nous reste combien? 6 barbe-dieu. C'est pas mal, 6 barbe-dieu. Et ce qu'il faut, c'est que j'amène Iker ici. Et le petit. Et après, on part faire un combat pour diminuer le chaos. On est obligé de le tenter. Hein. Parce que là, les monstres sont à 120% de PV. Là, ça commence à devenir problématique. Reiki, on va le soigner. Reiki, on va le soigner, je pense. Mais il peut pas se soigner tout de suite, il faut qu'il y ait Iker qui arrive. Allez Iker, on croit en toi. Faut te bouger le cul. Après, il y a la trollesse qui est level combien? 5, qui est un bon combat parce qu'elle est isolée aussi. On aurait pu essayer de le faire. Ah, c'est dommage. J'aurais peut-être dû... Oh là 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 là. Iker peut passer un level s'il gagne ce combat. La question c'est est-ce qu'il faut que je le tente? Sachant que je le tue en minimum 4-5 attaques. Moins 24 crit, on se barre. Putain, on devait pas soigner Iker, on doit le soigner maintenant. Il est impossible ce jeu! Impossible. Impossible, les potes. Il est vraiment beaucoup trop dur. Faut que je donne la thune aux autres. Tout. Impossible ce jeu. Impossible. Ah oui, j'utilise pas mes bourses d'Amadou, mais elles sont faites pour les donjons. Je voudrais les garder pour les donjons. Le troisième KO qui arrive, je sais pas si le troisième KO ça fait perdre la game. Je ne sais pas. Ou si c'est le quatrième service. 20 de thunes. Brenel récupère la totalité de ses points de vie, mais seulement 2 points de concentration. Ensuite, Brenel donne tout à Reiki. Reiki qui ainsi prend un service et dort à son tour. Récupère full life. Reiki qui donne tout à Iker. Qui ensuite fait un service. Et attendez, il faut que je vende d'abord les objets que je veux vendre. Ici. Une épée large, 26 de dégâts. Ça ferait tellement plus mal de prendre ça, mais le problème c'est que après, derrière, j'ai plus de taunt. Après, j'utilise pas énormément le taunt, donc on va tenter de l'équiper. On va revendre le pavois. Plus 2 d'armure de groupe. Ah non, non, on garde, équipé. Ce qu'il faudrait, c'est que j'ai une nouvelle arme. Je vais vendre l'épée large. Elle doit se vendre cher. 21. Boucle en fer. Vendre. Bouclier en bois. Vendre. Armure de garde. Vendre. 40. Crécelle. Vendre. 26. Chaussures de Kirby. Vendre. 7. Perles précieuses. Ok.
on est à 106 de thunes. Alors vous pensiez que si je... Il y a quelqu'un qui m'a dit si tu vends des pièces d'équipement avec Iker, peut-être que ça fera plus de thunes. Je pense pas. Hein. Non. C'est un multiplicateur d'or, c'est juste un multiplicateur d'or. Ça serait trop fort si ça fonctionnait dans les deux sens, quoi. Ok, on s'est refait un petit peu des couilles en or. La question, c'est peut-on acheter un truc intéressant au marché? On a vu qu'il n'y avait rien d'intéressant au marché, hein, mais vraiment rien, rien d'intéressant. Que dalle, à part les barbes d'yeux, bien sûr, hein, qui, elles, on les aime. Acheter. Voilà, on peut en acheter une de plus. On peut en acheter même plus, bien évidemment. Service pour Iker. C'est le service d'Iker, ça. C'est Iker qui joue, oui. Donc là, je soigne. Paf, je récupère full life. On est pas mal. On est pas mal. On va donner la thune à Brenou. Voilà. Et Brenou, lui, il se met bien. Il va acheter les deux dernières barbes d'yeux qui restent. Voilà. On a pas mal de heal. On reprend un petit peu des couleurs. On est à 7. Brenel qui a pas vendu ses objets qu'il a sur lui. J'ai oublié de le faire. My bad. Donc faisons Brenel maintenant. Vous y aviez pensé, je suis sûr. Je suis sûr que vous y avez pensé. Moi j'avais complètement zappé. La grande rune, 4 de résistance. Au lieu de 1 d'armure, 1 de résistance, 2 générations, multiplicateur d'or. Ouais. On va vendre ça. Putain, ça vaut 4 de résistance, c'est quand même pété, hein. Mais bon, il a déjà 11 de résistance, ça vaut pas le coup. Peut-être qu'il faudrait que je la donne à Reiki. Immunisé au poison, immunisé à la malédiction. En fait, on s'en fout maintenant de cet objet. Donc, donne la grande rune à Reiki. Reiki. La grande rune, il l'équipe. Et par contre, le coquille, tu la donnes à Brenel. Pour que Brenel... La vendre. Billet de foire. Ceci donnera l'accès à une personne à la foire des ténèbres. D'accord. À la coquille de l'Itérus, on vend ses 12. Le chapeau de danseur, 2 d'armure, 3 de résistance. Plus 3 de talent, plus 3 de chance. Et ça, faut que je l'équipe, ça. C'est mieux que ce que je possède. Équipé. Béret d'érudit, on le vend. Le chapeau mystique, on le vend. Le ukulélé. Calme de groupe. C'est quoi le calme de groupe? Ah, ça serait bien de savoir. Purge. Purge! Oh, ça peut peut-être pas mal, ça. C'est peut-être un vraiment truc de support, ça. Et ça joue sur la chance, ça joue sur notre... Pas notre meilleur stat, ça joue sur un 73. 73. 2 de dégâts moins. On va tenter, on va équiper. Livre d'érudit, 6 de dégâts, c'est nul à chier, vendre. La torche, on vend. Le gourdin grossier, on vend. L'armure de la garde de la ville. On vend, elle coûte 40, hein. Elle coûte cher. Hein. On vend. Ok. On a 93, on a 100 de thunes en plus. Donc maintenant, il faut prendre les bonnes décisions. Le troll. Maintenant, il faut prendre les bonnes décisions. On n'est pas très loin de passer un level. On pourrait aller tuer les fripons, les deux fripons qui sont là. Qui semble être un combat qui est envisageable. Est-ce qu'il y a les trois autres? Ouais, on est trois. C'est pas mal. Ça me semble pas mal. On va faire ce combat. Pour un passage level 5 pour Iker, on se fait voler de la thune. Moins 93 de thune. Ça fait mal au cul. On est d'accord.
moins 17. Esquive, moins 12. Immunité. Alors. Parfait, guérison. On a la possibilité de soigner des gens. Restauration de concentration. Calme du groupe. Oh, c'est fort. Le problème, c'est qu'on a perdu 93 de thunes, vous êtes d'accord? C'est un peu ouf. Donc il faut qu'on lui pète le cul à lui. Et vite. Ça va, on récupérera notre thune. Immunité. Il a raté. Merde, c'est pas lui que je voulais frapper. Esquive! Putain, tout va bien. Attendez, attendez, calme du groupe. Restauration de la concentration. Oh, il a pas réussi. Moins 12 percé. Oh putain. Faut taper Reiki. Ah, j'aurais peut-être pas dû garder. J'aurais peut-être dû garder mon point de concentration. Moins 12 pour Brenel. Allez Brenel. Allez Brenel. On croit en toi. On croit en toi. Non. Non. Un point. Non. Oh, il s'est barré. Il s'est barré avec une ortie dansante, c'est pas très grave. Surtout que Iker passe un level, on récupère les 93 de thunes. Ah, oh, on les récupère les 93 de thunes, mais est-ce qu'il y a le multiplicateur? Oh, il y a le multiplicateur! 34 de thunes! Il y a eu le multiplicateur, on a gagné 34 de thunes! Et regardez, regardez, regardez! Et là, c'est la thune qu'on gagne grâce à ce combat, récupérée, plus 16! Et on est à 192 de thunes! Le génie du game! On a fait plus 100 de thunes sur ce combat! Labyrinthe du roi. Reconcentration pour Brenel, plus de PV. Faut s'occuper du chaos, hein. Niveau 6. Niveau 6. Ça c'est niveau 6. Ça c'est combien? Niveau 6. Ça c'est niveau 5. Faut qu'on aille faire ça. Ah, on a un fripon HP. J'espère pas avec l'oiseau. Juste avec un squelette. On sait pas trop d'où il sort le squelette. Ah, sans doute de là. Oui, embuscade réussie. Yes. Ça veut dire qu'on fait que le fripon. Donc on va lui péter le cul. C'est l'objectif. Bien joué, Brenel. C'est ça qu'on veut. 18.
Brenel passe le level, ça serait bien. Oh, pas du tout. 42 thunes? Mais les fripons, ils... 4 d'armure. C'est pas mal, 4 d'armure. C'est pas mal. Permettre à Brenel de tanker un peu. 250 de thunes pour Ikea, hein, c'est pas mal. Il faudrait les répartir après, je pense. Pour éviter de tout perdre d'un coup, quoi. Par contre, les fripons, ils rapportent là la thune, hein. Ça, c'est ouf à quel point ça rapporte les fripons. Tiens, on va aller là. Est-ce que ça... Oh non! Oh non, Brenel. Oh non, ça pue, Brenel. Oh non, ça pue, Brenel. Ça pue. Il faut esquiver, Brenel. Plus que deux vies. Mais il est horrible ce jeu! Je croyais que c'était ça les mieux pour le groupe, et là on se prend une grosse tarte dans la gueule du côté de Brenel! Et il reste plus qu'une vie pour le groupe, quelques tours avant d'avoir un nouveau chaos d'être dans la merde! Vous avez trouvé l'ancienne carrière, foyer de Deimos. Battez le fléau avant qu'il ne s'éveille sur la chronologie. Crypte de la Liche. Entrez avec le groupe. C'est parti, un donjon. Bloqué. Ah, c'est des monstres level 4, 4, 3. Ça va, c'est faisable. La chauve-souris attaque assez rapidement. On pourrait peut-être la tuer. Bon, la one-shot. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Oh. Non, ça, je suis pas content. Attendez, j'ai un sort de guérison. Ah, pas du tout. Ça guérit pas, ça guérit des afflictions, je pense. Oh, Brenel va crever. Ça va. Brenel n'est pas mort. Ça guérit pas, hein. Ça purge. Parfait égale guérison. Restauration de concentration. Explosion de l'eau, mélodie. Barbe Dieu, Ikea. Ok. Maintenant, on essaie de la tuer, elle. 11 de dégâts. Esquive, moins 8, moins 13. Ça va. Défonce-la, Iker! Moins 12. Défonce-la, Ricky! Merci. On n'a pas une herbe pour récupérer toute la concentration. Soyons malins et faisons ça maintenant. Ah non, ça. C'est pas passé? Il s'est passé quoi là? Pourquoi on n'a pas regagné de la pointe de concentration? J'ai pétillé? J'ai pas compris. Oh, il faudrait que je revoie. J'étais à l'ouest pendant un moment là. Je vais retenter, mais je vais reperdre tous mes points de concentration pour rien. Attendez là. Je suis à 88%.
Voilà, donc j'utilise 2 points pour en faire regagner pour mes coéquipiers, c'est pas mal. Non, n'utilise pas de points, Iker. Ça va enlever le protéger, voilà. Et là, Iker, derrière, il utilise un point. Il fait moins 12. Ça va. Et là, Brenel, il va pas en utiliser, il va essayer de jouer sans. Ah, le problème c'est ça, c'est que j'ai pas des stats exceptionnelles. Mais on voit la force de cette truc là si tu prends un musicien de rue, la classe musicien. Parce que tu peux faire il redonne un point à chaque personne, etc., etc. On a récupéré pas mal d'XP, Brenel a quasiment passé le level. On récupère la thune du côté de Iker, on passe à 199. Un nouveau casque, 2 d'armure, plus 25%. Plus 3 de vitalité. C'est moins bien. C'est moins bien. Passé. 4 d'armure, 2 de force, de vigilance. C'est moins bien. Hein. C'est moins bien. 3 de PV supplémentaires, on s'en fout. Passé. Multiplicateur d'or, ça reste toujours très très fort, donc on va récupérer, mais on va pas équiper. Est-ce que je l'utiliserai pas pour récupérer mes 4 points? Allez, utiliser. Faut que j'utilise mes trucs avant que je perde, hein. Ça sert à rien d'économiser trop. On va utiliser des choses. Hein. Il nous reste 7 barbe dieu. On passe. Dernier combat du donjon a priori. Oh, on est face à un musicos. Moins dispersé. Lui, c'est un voleur, donc il vole de la thune. Hein. Il va falloir le tuer vite, je pense. Moins 18. Attaque améliorée. Putain, faut les tuer vite. Oh la merde. Chemin d'identification. What? Moins 24 sur Reiki. Oh, il se barre. J'ai fait tout ça pour rien. Oh, ça va, les protects se sont barrés aussi. Bon, il est temps de les tuer, hein. Lui, est-ce qu'il est vraiment relou? Ouais, il peut faire mal, je pense. L'autre, il fait moins chier, je trouve. Moins 18. Allez, faut le finir, s'il vous plaît. Moins 7, ça va. Non, ils font pas si mal que ça dans ce donjon. C'est là que tu vois qu'il faut avoir le level. Hein. Faut vraiment avoir le level des créatures qu'on tape. Hein. Voire être plus haut level qu'elles. Elles font quand même... beaucoup moins chier. Beaucoup, mais alors beaucoup moins chier. Bref. Bon, je sais pas si ça valait trop le coup. Ça va, Iker solide. Sur son arc. Pourtant, on a perdu des stats. On a combien? Vigilance 78%. Ok. Retirer des afflictions, hein. La chance. Et ah tiens, je vais essayer de tenter ça. Guérison. Comment je fais pour l'appliquer à quelqu'un que je voudrais, si je veux l'appliquer sur quelqu'un d'autre? Cibler l'ami. Ouais, mais je veux bien le cibler, mais on m'empêche. Cibler l'ami. Ah, de toute façon, sur moi, ça marcherait pas, j'ai pas d'affliction. Donc, bon, on va attaquer. Et on le tue. Boum! Ça dégage! 9 points d'XP. On passe level 6 du côté de Brenou. C'est le premier level 6 du groupe.
Bien joué, Breno. Passer, récupérer. Gagner 30 points d'XP. Ah, c'est pour Iker, hein. Pour Iker. Bien sûr. Au lieu de l'érudit. Prêt, prêt, prêt. Ok. Ouvrir. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? 24 pièces d'or. Récupérer. Ah! Une théode. Compétence soutien à distance. 14 de multiplicateur d'or. Ça utilise cette stat-là, la stat à 73. Symphonie, rubato, molto. C'est pas ouf, hein. Il n'y a pas le truc de reconcentration. On va le. Regardez là, il y a calme de groupe et purge. Et calme de groupe, c'est vraiment pas mal avec Brennel, je trouve. Donc on va récupérer, mais pas utiliser. Équiper. Plus 3 d'armure, plus 3 de résistance, on passe. Plus... C'est mieux, parce qu'il y a plus d'armure. Légèrement plus. Bon, c'est pas folichon, hein. On va regarder sur Brennel. Ah, l'intel nous sert à rien pour le moment, hein. L'intel nous sert plus à rien, donc on va équiper. Esquive de groupe, multiplicateur d'or, chance. Donc là, très clairement, on n'a rien sur notre ami Reiki. Mais on va passer quand même. Lui, il a quelque chose. Ouais, lui, il a quelque chose. Passer. Et lui, il a quelque chose. Donc on va récupérer. Et on le donnera à Reiki. Il faut que je le donne à Reiki. Il faut que je le donne à Reiki. Le collier spécial de la dupe. Non, c'est pas ça. La fraise élégante. Donnée à Reiki. Et Reiki, lui, il va l'équiper, la fraise élégante. Parce qu'il a rien d'autre de toute façon. Donc c'est déjà mieux que rien. Et on va rien faire. Parce que normalement, c'est un gobelin ici. Ah non! C'est pas un gobelin, c'est un nouvel étage. Alors est-ce que je soigne Reiki ou pas? On va soigner Reiki, mais on va pas soigner Iker. Nouvel étage. Putain, je pensais que c'était fini moi. Deuxième étage. Et il y a un boss, il y a un combat, deux points d'interrogation et un boss. Je pense qu'il faut pas soigner parce qu'on aura une source de heal après. Moins 13 pour Brennel. On est pas mal, on est pas mal. On est pas mal, il faut tuer quoi en premier? Un combattant Merling? Non, faut tuer le chevalier du chaos. Il a 12 de résistance physique, il va résister énormément. Il va falloir lui bourrer la gueule avec Brennel, je pense. Faut que j'attaque lui avec ça. Moins 20, c'est pas mal. Moins 18, confus. Oh, ça dégage le combattant Merling. Lui, il fait mal. Oh, j'ai cru qu'il allait attaquer. Le chevalier, il attaque quand? C'est impossible de le tuer, même si j'utilise mes deux points. Ça va faire 20. C'est greedy ce que je fais, hein. On peut pas le tuer là. Moins 6, putain, il attaque. Oh, et il attaque Brennel, j'aurais jamais dû faire ça. Oh, ça va, moins 16. J'ai cru qu'il allait faire beaucoup plus mal. Mais c'est vrai que Brennel, il a 14 de résistance. Là, on peut le finir, lui. Voilà, il a reculé. Mais j'aurais pas dû faire ça. Oh, j'aurais absolument pas dû faire ça. Je suis con, mais con du cul. Moins 9. J'ai pas envie, j'ai pas envie. J'ai pas envie d'utiliser une barbe Dieu.
My friend, doo-doo, can we? Oh, un grand arc. 18 de dégâts, plus 20 de dégâts contre les bêtes, soutien à distance, tir lourd, remarque précise, distance sûre. Mais ça demande un G supplémentaire. Hein. C'est pas folichon. Hein. Et ça fait 6 de dégâts supplémentaires. Mais c'est un G de plus. Pas. On va pas se soigner, on va espérer que le prochain truc ça soit une fontaine, et c'est une fontaine. On va faire boire on va faire boire Brenou bien sûr. Voilà. Ah! La poisse. De chance que ça restaure que dalle. 3% de chance que ça restaure que dalle. Aïe 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 aïe, on a bien eu la poisse quand même, hein. Bien eu la poisse. Merci le jeu. Aïe, 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 aïe. Oh, il passe le level! C'est le boss. J'aurais peut-être dû équiper mon arc. Mais bon, vu qu'Iker, il a pas de moyens. La liche, cette crypte est mon refuge depuis un millier d'années. Comment osez-vous le polluer avec vos vulgaires battements de cœur? Oui, madame. Est-ce qu'il va améliorer? Ça me semble pas mal. On va assurer le combat. Hein. Moins 10. La liche commence à attaquer Brenel. Moins 7. Lui, il attaque. Bloqué! Tout va bien. Tout va bien! Tout va bien! Tout va bien. Redonne un point à tout le monde. Reiki est prêt à taper. Moins 15. Il prend moins 4. C'est pas très grave. Théoriquement, Iker peut le finir. Moins 10. Ah non, il a trop de résistance. C'est quoi ce truc? Moins 21. Plus 11. Ça va, la liche est capable de soigner, mais bon. Esquive du côté de Brenou. Non, non, non. Moins 16 crit, ça fait mal. Laissez Brenou tranquille, bordel. Il a rien fait, il est gentil. Moins 20, allez, ça dégage. On n'est pas sûr de le tuer. Par contre, avec Reiki, on sera quasiment sûr. Tir amorcé. Pouf, moins 15 crit. Il réattaque. Grain de vie. Super, c'est gentil ça. Allez, crève. Merci. Bloqué, bien joué Reiki. C'est ça qu'on veut mon gars. Oh, t'es quasiment garanti de le tuer. Moins 20. Et c'est parti. La liche maintenant. Moins 6. Oh putain. What the fuck? Attaque améliorée.
Moins 2, oh putain. Moins 17. Moins 6. S'il soigne, ça va pas être facile, hein. Vous êtes d'accord, hein, ça commence à devenir coton. Moins 12. Moins 12. Moins 16. Oh, dommage, j'espère qu'il va pas tuer Brennel. Non, il se re-soigne. Il a plus de heal. Si Iker a du heal, lui, par contre. Faut avoir de la chance là, hein, si on veut le tuer. Hein. Brennel, tu utilises ton point. Oh, non, Brennel, non! Il se soigne. Oh la saloperie. Plus 11. On peut pas le tuer avec ça. Si? C'est fini. On a fini le donjon, les potes. C'est le trésor maintenant. Coffre de pierre, ouvrir. 24 de thunes, récupérer. Un tome, récupérer. Fragment de clé, récupérer. Arc de fer. Et c'est fait pour... c'est de la force, c'est fait pour Reiki. 24 de thunes, dégâts contre armure, soutien à distance. On va passer Reiki avec un... avec un arc maintenant. Il va faire trop mal. On va tenter. Plus 2 d'armure, plus 3 de résistance, plus 1 point de concentration. On l'a déjà ce truc. 3 de talent, 3 de chance. Récupérer. Kit. De bateau. Le récupérer. Fin du donjon. Moins un chaos. Est-ce qu'on utilise une bourse d'Amadou? Ou est-ce qu'on essaye juste de rentrer en ville car on a 571 de thunes? Il fait nuit. Il fait nuit, les potes. Non! Il faut que je dise le chiffre. 200. Donnez. Et donnez à Reiki tout. Parce que Iker, il est bien, hein, il s'en fout. Allez, Brennel, on y va. Yes, Brennel est soigné. Service, auberge. Il n'a pas de malédiction. Tout va bien. Pof. Brennel et full life. Tout va bien. Ici, diseuse de bonne aventure. Reiki, on a confiance en toi. Tu te fais pas embusquer. Oh, j'ai eu peur. Non. S'échapper. On ne fait pas. On ne tente pas. Non, mais... Je suis obligé. Je suis obligé de faire ça, en fait. Oh, là. Oh non, Reiki, fallait qu'il soit enfermé. Vraiment, fallait qu'on le bloque pendant un tour. Oh là là, la poisse.
On se met sur cette case. Comme ça, il n'y aura rien. Et on fait. Et on attend. Brennel qui est full life. Qu'est-ce que tu peux faire, Brennel, ici? Pas grand-chose. Tu es déjà bien, tu as régénéré pas mal. Tu regardes ce qu'il y a des, s'il y a des choses à acheter. Catenex, on n'a rien à faire. Marché. Toujours rien à acheter, hein, le loot, on s'en fout. Par contre, on peut peut-être vendre des objets. Les objets de Brennel qu'on doit vendre. On avait le bandage d'érudit. Qui est pas folichon, c'est vrai, on va vendre. Le collier spécial de la duchesse. Qui doit se vendre cher, je pense. 26. Le bouclier à pointe, on s'en fout. On vend. Le luth. Le luth que j'ai actuellement, le ukulélé, il fait 14 de dégâts. Mais il a le calme de groupe qui est plutôt stylé, qui permet de regagner des points de concentration pour Reiki. Et sachant que Reiki maintenant va avoir besoin de pas mal de points pour assurer ses coups avec l'archerie, on va voir si ça sera intéressant. Il a 85 quand même de force. Donc je pense qu'un point sera suffisant pour chaque coup. Donc en fait, faire le combo, ça permettrait d'avoir un Reiki qui fait vraiment très 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 mal à chaque fois. Quasiment à coup sûr. Donc on va vendre celui qui fait le moins de dégâts et on va regarder l'autre. Voilà, donc là c'est fini, on a la thune. On n'a rien à acheter vraiment au marché. Les fléaux des harpies, utilisez ces herbes pour faire disparaître toutes vos malédictions. Ok, on est bon. Je vais peut-être utiliser un parchemin de téléportation derrière. Permet à l'utilisateur de se rendre instantanément sur une case de terrain et vide dans un rayon donné terminé par l'intelligence de l'utilisateur. Je pourrais me téléporter là pour voir ce que c'est. Je suis en position latérale de sécurité. Non. 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 Qui fait le malin tombe dans le ravin. Aïe, aïe, aïe. Aïe, 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 aïe. Ça n'a jamais été aussi vrai. Non. Ces monuments sombres sont annonciateurs que la fin est proche. Détruisez-les pour contenir temporairement le chaos avant qu'il ne soit trop tard. Vendre les objets de Iker. Grand arc. Ça utilise la vigilance. Notre vigilance, elle est à 78. C'est pas folichon, quoi. On va vendre ça. On va vendre le homme de bandit. Aïe, 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 aïe. C'est dur. C'est dur, messieurs, dames, c'est dur. Marché, on a déjà acheté toutes les barbes dieux ici. Il nous reste combien de barbes dieux? Une, deux, trois. Il faut que j'aille à Paride. Marché. Les barbes dieux, faudrait que je les achète. Reiki. Reiki, tu dois jouer vite. Dépêche-toi. Reiki, on se met là. Bon, allez, Reiki, tu vas y arriver. Prochain tour, Reiki. Reconcentration. C'est maintenant. Oh, le chaos fait des dégâts. Horrible. Service. Auberge. C'est bien, mon petit Reiki, c'est bien. Il faut qu'on aille faire ça. Il faut de la force, donc il faut que ça soit Reiki qui y aille.
Et ensuite, il faut aller vite faire un combat. Dans un camp pour gagner en... On y va. Oh! Défendre, ça va. Bête du chaos. Level 6. D'accord. Ça a l'air relou comme bestiole. On bourre. Non, Rick Brennel, putain, Brennel, nul à chier. 45 de dégâts physiques, mais seulement 55% de chance. Ça fait tellement mal. Moins 30, c'est pas mal. Esquive 21-16. Ouais, j'aurais dû me soigner, je sais, mais je suis tellement dégoûté que je préfère perdre en fait. Je suis tellement dégoûté que je préfère perdre. Il réattaque tellement souvent en plus, il va réattaquer forcément, il réattaque deux zones, donc Kicker est mort en fait. Je peux pas le sauver. C'est trop tard, j'aurais dû le faire utiliser la barbe dieu. Oh, je suis teig. Parce que même si je fais 20 là, ça change rien. Il va quand même mourir là. Toujours en vie, il perd son sanctuaire de multiplicateur d'or. Oh, on perd le sanctuaire de multiplicateur d'or. Ouais, il faut créer qui y a la fond là. Ça va. Il est mort. Mais ça enlève pas le chaos hein, de tuer ce truc. Hein. Rêvez pas les potes. Il faut que Reiki... faut que Iker retourne en ville. Qu'il se soigne. Que Brennel retourne en ville. Il peut aller à Paride. Faisons-le aller à Paride. Soigner. Et Reiki, il faut qu'il aille là pour retirer ce truc parce que... Réduire le chaos. Oh, on a de la chance. Le chaos qui repart, là, il n'y a plus les éclairs, tout ça, on a réussi à tenir. Bien joué, Reiki! Bien joué! Le meilleur joueur de tous les temps! Faut qu'on achète les barbes dieux. Brennel, tu les achèteras. Iker, il part devant. Non, il faut que j'essaie de trouver s'il n'y a pas un bâton de mage qui permettrait de... d'avoir le heal de zone. C'est pas possible, on n'est pas tombé sur un seul truc de heal de zone. Le moult de l'érudit, en obtenir 2 pour gagner 29 points d'XP, ça pourrait être pas mal. Sachant qu'on a la thune encore large pour pouvoir le faire. Je pense qu'on va le faire. Iker, il va quand même partir devant. On va aller chercher le chevalier. On va aller chercher... Tuer les sbires du chaos, ici. Tuer le seigneur des esprits, ici. Et tuer dans les sous-sols oubliés, ici. Ok, d'accord. Donc il faut que j'aille... il faut que j'aille là-bas pour m'occuper du truc. C'est parti. Les catacombes, une descente périlleuse dans ces trucs. C'est au niveau 5, on n'y va pas. Bonus d'énergie... On va se retrouver là. Tranquille. On se pose là avec Iker, on est bien. Ensuite. Bon, l'épisode dure un siècle, je vais bien évidemment le couper bientôt. Ici, on va prendre au marché les barbes dieux. Acheter. Acheter une moule d'érudit. Il faut que j'utilise pour Iker. Pour Iker, il faut que j'utilise les deux.
Faut qu'il rejoigne Iker. Va rejoindre Iker. Renel, tu rejoins Iker, tranquillou bilou. Tu vas donner la moult d'érudit à. La moult d'érudit à notre ami Iker. Donner à Iker. Et tu vas te reposer un peu, Brenel, ce qui va te permettre de regagner un point de concentration, pas du tout. Fin de la. Un nouveau jour se lève. Le chaos qui revient dans pas si longtemps que ça. Du côté de Reiki. On est toujours empoisonné. J'ai oublié d'acheter. De toute façon, on peut rien faire. Là, il faudrait faire les catacombes. Est-ce qu'on fait les catacombes? Les catacombes, c'est niveau 5. Ça pourrait être bien, mais le problème, c'est qu'après, il faudrait d'abord faire le chaos. Faire le sanctuaire qui est là, c'est quoi? C'est gagner une vie. Plus 10 de santé max, plus 2 générations. Sanctuaire de vie. Faut penser qu'on n'a plus le multiplicateur d'or. Donc, ça va devenir un petit peu plus compliqué. Il y a l'ancienne carrière qui est là. Lorsque repère est actif, méfiez-vous des ennemis sur la carte du monde. C'est le fléau qu'il faut qu'on gère, qui est niveau 6. On est level 6, hein. Iker doit juste utiliser sa boule d'érudit et il va passer niveau 6 s'il utilise les deux. Mais d'ailleurs, je vais l'utiliser tout de suite. 29 points d'XP. C'est pas mal. Et il va bientôt passer niveau 6. Très clairement, on est pas mal. Reiki va rejoindre. Au prochain truc, il faut qu'on fasse le camp. Les catacombes qui sont niveau 5, vu qu'on sera niveau 6, ça devrait aller normalement. Et ensuite, il va falloir commencer à s'attaquer aux autres îles. Là, on a terminé la crypte de la liche. Il nous reste la carrière, l'ancienne carrière à faire, les catacombes. Je pense les catacombes, et après, il va falloir qu'on aille le retirer du chaos. On est quand même dans la merde, là. Hein. On est quand même dans la merde. Il faut espérer que ça retire un chaos. Mais on est quand même dans la merde derrière. On sera toujours à 2 KO avec 3 KO qui arrivent. Il faut qu'on retire le fléau. Il faut qu'on aille tenter ce combat, level 6. Et il y a l'autre fléau qui est à l'autre bout de la terre. Parce que l'autre fléau, il est là. L'autre fléau qui est actif. Je sais pas, les potes, hein. Je sais pas si ça va bien se passer dans le prochain épisode, mais jusque-là, nous avons survécu. Nous avons survécu, il nous reste une vie, 2 de KO. On est quand même relativement dans la merde. On n'a plus de multiplicateur d'or, donc ça va être difficile. Ça va être très... Enfin, si, on a encore les multiplicateurs d'or. On a encore le multiplicateur de 10% ici. Et de 7% ici, donc 17%. Pour 100 pièces d'or, on récupère 17 pièces d'or. C'est pas mauvais, mais c'est clair que c'est moins fort qu'avant. Très clairement, on a toujours des multiplicateurs d'or. Mais voilà. J'espère que vous aurez apprécié cet épisode interminable, puisque cet épisode a duré une heure. J'espère que vous l'aurez apprécié. J'espère que vous appréciez un petit peu le d'un seul coup ça va bien, on récupère un petit d'un seul coup ça va mal, le j'ai glissé chef de la part de Reiki qui nous rajoute un chaos, catastrophe. On n'avait que 20% de chance que ça, 29% de chance que ça se passe mal. Bon, c'est quand même une chance sur 3. Hein. Et on n'a pas eu de bol. Derrière, on rediminue le chaos. On sait ce que c'est maintenant quand le chaos est au max. Quand le chaos est au max, on peut le diminuer théoriquement, mais il faut vite y aller, quoi. Parce que le monstre du chaos nous a fait vraiment mal. Il faut vraiment foncer carrément sur le truc qui pop. Là, on va retirer un chaos, mais il y a un chaos qui va pas tarder à arriver. Et le problème, c'est que théoriquement, bah, il nous reste cet endroit-là pour diminuer le chaos. Et derrière, c'est loin. Parce que c'est cet endroit-là et cet endroit-là. Et là, on sait même pas où c'est. C'est-à-dire que là, c'est trouver et résoudre les sous-sols oubliés dans la zone. Le problème, c'est que vous le voyez, là, on n'y est pas allé. Donc, il y a des points d'interrogation. Mais théoriquement, ça peut pas être là, ça peut pas être là, vu qu'il n'y a pas de points d'interrogation. Vous voyez, il va falloir juste aller là où il y a les points d'interrogation, c'est-à-dire soit dans cette partie-là de la ville, voilà. Soit dans cette partie-là de la ville où on a point d'interrogation, interrogation, interrogation, interrogation. Et le problème, c'est comment on fait pour passer là? Sachant qu'il y a l'air à part là. Et ici,
Point d'interrogation. Donc la zone, elle doit être vers là. Elle doit être, à mon avis, plutôt dans ce coin, soit là, soit là. Ça peut que être là ou là. Donc il va falloir explorer, sachant que j'ai vendu mon truc d'immunité au poison et qu'il va falloir y retourner. Donc c'est un peu la merda. Ouais, c'est un peu la merda, vous êtes d'accord. Et le bateau, il est quand même assez loin, il est là. Donc il faut qu'on fasse ça, qu'on remonte, reprendre le bateau et qu'on y reparte. Voilà, donc pas mal de choses à faire dans le prochain épisode. J'espère que vous l'avez apprécié. On est quand même relativement bien stuff maintenant, mais les combats de monstres plus bas level que nous ou égal, ça va, mais alors plus haut, c'est genre ingérable, je trouve, dans le jeu. On se retrouve dans un prochain épisode de For the King dans 2 jours. N'hésitez pas à balancer un max de pouces vers le haut et à partager la vidéo. J'espère que cette série vous plaît. Moi, j'adore ce jeu. Il est vraiment cool, mais vraiment pas simple. Allez, ciao!